contente de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous le savez, hier c'était le dernier jour de la semaine de l'horreur et vous avez été tellement nombreux à me dire Amy, s'il te plaît, continue, que je me suis motivée, je me suis levée ce matin et je me suis dit allez, fais une nouvelle vidéo. Alors j'ai décidé en fait de vous présenter 5 artistes que j'adore, qui m'inspirent, parce que je suis tombée sur cette vidéo là il y a à peu près une semaine ou deux et je me suis dit que c'est une très très bonne idée de faire une vidéo comme ça. Alors juste avant de vous présenter les 5 looks, je vous le dis tout de suite, restez jusqu'à la fin de la vidéo, ou si vous n'avez pas envie de voir les 5 looks, cliquez directement pour aller à ce timing là, parce qu'à la fin je vous parle et c'est très 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 sérieux, vraiment. Alors le premier look, la première personne que j'avais envie de vous présenter, c'est la youtubeuse que je suis depuis très 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 longtemps. Elle s'appelle Golden Starling. Cette fille c'est une tueuse, franchement elle a pas assez d'abonnés, son talent il n'est pas assez reconnu. Alors moi le tuto que j'ai le plus aimé de sa chaîne, c'est un tuto qu'elle a fait il y a à peu près 3 ans il me semble, et c'est un tuto en fait d'un monstre. Alors comme vous pouvez le voir apparaître sur les images, c'est un monstre avec une mâchoire vraiment énorme en haut, en bas. Ça fait super flipper quand on pense que cette vidéo elle date quand même de 2014, c'est assez impressionnant. N'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos de sa chaîne, franchement elle fait des trucs de folie. Mais ça c'est vraiment le maquillage que voilà, j'ai toujours retenu, et elle m'avait vraiment inspirée pour pas mal de mes make-up, donc allez voir, vous allez voir, c'est un travail fabuleux. Alors maintenant on passe à la quatrième position. La quatrième position, on va passer dans un registre un petit peu plus glamour mais en même temps flippant, avec une production de dingue. Alors moi j'ai connu en fait, c'est Crispy, je l'ai connue grâce à Instagram, c'est une maquilleuse professionnelle mais oh, elle a un talent, mais franchement je reste à chaque fois scotchée. Et la vidéo que je voulais vous montrer, parce que vous me le demandez souvent, c'est de faire des clowns, et donc c'est un gangster clown. En fait elle a fait un look un petit peu rétro chic comme vous pouvez le voir sur les images. En fait on sait pas trop, c'est tellement magnifique mais en même temps flippant, si on la croise dans la rue on a peur. Elle fait penser un petit peu, vous savez, à Harley Quinn dans un sens, et je trouve vraiment cette fille géniale. Je sais pas ce que vous pensez des images, vous me le direz dans les commentaires. On passe à la troisième position et je ne sais pas trop comment classer ce make-up. Alors en fait la youtubeuse c'est Mayday Look, je pense que j'ai mal prononcé son nom et je m'en excuse si jamais elle venait à passer par là. En gros c'est un make-up, si jamais, attendez avant que je vous montre les images, si jamais vous n'aimez pas la si vous avez plutôt la triophobie, j'avais fait une vidéo en plus l'année dernière avec Kevin, où j'avais eu pas mal de messages en mode mais c'est dégueulasse Amy, ça me met très mal à l'aise, ne regardez surtout pas ces images parce que ça ressemble un peu à ça. En fait, elle s'est fait, comme vous allez le voir, des yeux de Google un petit peu partout. Et elle bouge la tête comme ça là. Et avec le bruit, je sais pas si vous voyez, vous entendez, ça met vraiment mal à l'aise. En fait, c'est dérangeant ce make-up, mais en même temps, c'est tellement artistique. Alors maintenant, on passe à une de mes Instagrammeuses préférées. C'est Desi Perkins. Elle a un petit côté de J-Lo, je sais pas si vous la connaissez ou pas. Elle est magnifique. Alors pour moi, franchement, hein, c'est le plus beau squelette que je n'ai jamais vu en termes de make-up. Comme vous allez le voir sur les images qui sont en train d'apparaître, en fait elle a mélangé le côté de la peau qui coule sur le maquillage. Le maquillage du squelette est extrêmement bien fait, elle est super jolie, bref j'adore complètement cette fille. Et pour finir en beauté, enfin je sais pas trop si on peut dire beauté, je pense que ce youtubeur, vous le connaissez tous, c'est un artiste, un tueur. Il s'appelle Pink Stylist. J'espère que je l'ai bien prononcé. J'aimerais tellement le rencontrer. Il est démentiel. Je pourrais vous présenter toutes les vidéos de sa chaîne parce que chaque vidéo qu'il fait, c'est juste waouh, genre c'est bluffant. Et la vidéo que je voulais absolument vous montrer, parce que vous avez été énormément à me dire Amy, s'il te plaît, fais Pennywise du film ça. Sincèrement, je ne pourrais jamais faire aussi bien que ce qu'il a fait. Donc je vais tout de suite vous laisser regarder les images. Et comme vous pouvez le constater, c'est vraiment impressionnant. Quand tu vois les dents qu'il a fait, le make-up, oh, ce mec est un artiste. Vous me direz vraiment dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour moi, il pourrait largement faire tous les films d'horreur. Il est génial. Alors n'hésitez pas à me dire vous aussi dans les commentaires
qui est-ce que vous suivez, qui vous, que vous trouvez vraiment dingue en termes de maquillage, effets spéciaux. Je serais vraiment super, effets spéciaux, effets spéciaux. Je serais vraiment très contente d'aller découvrir d'autres artistes. C'est vrai que pour ma part, je suis là depuis 2009, j'ai plus de 600 vidéos sur ma chaîne, donc au bout d'un moment, vous savez, on tourne en rond et c'est vrai que bah, je l'ai souvent dit, mais moi je suis autodidacte, donc quand je vous fais des effets spéciaux, c'est des petits effets spéciaux en fait, je n'ai pas la compétence et surtout j'ai pas envie de faire des trucs trop compliqués, donc j'utilise souvent le même matériel. Et voilà, l'idée c'est que tout le monde puisse faire mes make-up, mais n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez bien que moi aussi je me mette à créer de vrais make-up, ou peut-être que vous pourrez pas le reproduire, mais juste pour finalement vous montrer ce qu'on peut faire avec du maquillage. Alors quoi d'autre, je vous avais promis de rester jusqu'à ce moment là de la vidéo parce que je voulais absolument vous parler. Je voulais vraiment vous remercier infiniment. Je sais que vous avez été assez frustrés parce qu'on n'a pas du tout fait de tendance, alors que c'est vrai que franchement, cette année, j'ai tout donné pour faire des effets spéciaux de dingue. Voilà, comme vous le savez, donc j'ai travaillé avec Kevin Mendibour, qui est réalisateur de films d'horreur. Mais en fait, c'est pas grave, finalement. C'est vrai que le côté de faire la tendance, ça avait un petit côté, vous savez, un petit peu motivant. Parce que forcément, quand t'es en tendance, ça propulse en fait les vues. Et surtout, pourquoi je voulais faire la tendance, pour tout vous expliquer, c'est que j'ai un gros projet pour les mois à venir. Et donc, j'ai un rendez-vous assez important qui va se dérouler au mois de novembre. Et du coup, je peux pas vous parler du projet parce que en général, il vaut mieux... Ces projets très importants, il vaut mieux les garder sous silence pour éviter soit qu'on nous les plagie, hein, ce qui arrive souvent malheureusement, on est souvent plagié sur YouTube, hein, malheureusement. Donc je vais garder ça un petit peu secret, mais sachez que en ce qui concerne les effets spéciaux, en ce qui concerne l'horreur, finalement, on fait la semaine de l'horreur chaque année, mais j'ai quand même compris quelque chose, c'est que vous adorez en fait quand je vous fais des vidéos effets spéciaux, donc... Je ne vais pas vous lâcher sur l'horreur. Restez bien branchés sur ma chaîne et c'est vraiment ça que je voulais vous dire, parce que chaque mois il va peut-être se passer quelque chose par rapport à ça, mais je vous en dirai bientôt plus. Je vous donne sûrement rendez-vous demain à 18h. Je ne vous promets pas d'être là, mais je vais essayer vraiment de faire une vidéo chaque jour jusqu'au 1er novembre. Je ne suis pas sûre de tenir puisque à l'heure où je vous parle en fait j'ai pas de vidéo d'avant, donc je vais vraiment travailler au jour le jour. Pour tout vous dire, là, il est exactement 14h21, le lundi 23 octobre. Et comme vous vous en doutez, je dois sortir cette vidéo à 18h. Donc là, je vais me dépêcher de faire le montage. En tout cas, si jamais ça vous dit que je continue au maximum les vidéos, je vous invite à répondre au sondage qui va apparaître juste sur le côté pour que je vois un petit peu si vous êtes motivés. Et surtout à me lâcher plein de pouces vers le haut, à partager mes vidéos, me dire quelle a été votre vidéo préférée de la semaine de l'horreur et pourquoi. C'est vraiment très très motivant en fait d'avoir votre retour. Je vous avoue que de voir que hier avec le maquillage sur Siphano, j'ai eu plus de 1000 commentaires, ça m'a fait tellement plaisir. En fait, faut savoir que la vidéo avec donc avec Siphano, avec Julien, j'ai eu plus de 50 heures de travail dessus. Et voilà, en fait, c'est une très belle récompense en fait de voir vos vues, de voir vos commentaires, voilà, c'est vraiment merveilleux et c'est ça en fait qui me porte en fait sur YouTube, c'est d'avoir votre retour. Donc merci vraiment à ma team de Warrior Forever, d'ailleurs n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires, d'être là chaque jour, de partager, de liker, de me donner de la force, parce que sans vous franchement j'irais pas aussi loin. Donc merci infiniment pour tout. Bon, et bien sur ce, mes Warriors, je vous fais un gros bisou. Je pars tout de suite au montage. Je vous donne, j'espère, rendez-vous demain à 18h, je croise fort les doigts, pour un effet spécial. J'ai une petite idée là, comme ça, dans la tête de ce que je pourrais faire. Et puis voilà. Bisous.